téléspectateurs, merci pour ce énième rendez-vous de l'émission Challenge Jeune, votre émission de divertissement ludique qui permet aux élèves de la ville de Port-Gentil, aux établissements, aux jeunes dans les quartiers, les familles également, de pouvoir se divertir de façon ludique. Ce projet a pour ambition de rassembler la jeunesse, les familles, les éducateurs, les mécènes, les artistes et bien d'autres personnes autour d'un élément fédérateur qui sera la jeunesse. Nous sommes aujourd'hui vers la fin de la deuxième saison avec cette émission spéciale dans cette grande enceinte de la mairie de Port-Gentil, dénommée la Concorde, ce lieu mythique qui nous a accordé, qui nous a été accordé gracieusement par le maire de la commune de Port-Gentil, pour qui je demande des ovations. Alors, l'équipe qui nous rassemble pour cette première émission de demi-finale, c'est bien naturellement le collège et lycée Delta, pour qui des ovations sont méritées, et également le collège Charles Luanga. Voilà. Alors, ces établissements ont eu les notes pour se classer 3e et 4e, et pendant l'émission tirage au sort, ont eu le mérite de pouvoir s'affronter pour cette demi-finale de la saison 2 de l'émission qui va démarrer tout de suite. Merci. J'ai retrouvé le plateau de l'émission Challenge Jeune, votre émission de divertissement ludique, sur lequel se trouve l'élève Nathan du collège Charles Luanga, pardon, et l'élève Rêve du collège Delta, qui sont respectivement les responsables des équipes Charles Luanga et collège Delta. Alors, bonjour Nathan. Bonjour. Comment s'est passée votre préparation pour cette demi-finale? On va dire qu'on est venu pour s'amuser. On est confiant parce qu'on sait qu'on a de fortes chances de passer en finale. Moi-même et mon équipe, nous sommes sûrs et certains. Nous pouvons même vous l'affirmer que nous serons prêts pour passer en finale. Merci, merci. Merci beaucoup à Nathan. Alors, pour le collège Delta, nous avons Rêve. Nous avons Rêve. Bonjour Rêve. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, merci. Comment s'est passée cette préparation pour cette demi-finale? Je peux dire que pour cette demi-finale, nous nous sommes assez préparés en conséquence parce que cette émission, c'est d'abord pour nous amuser, mais aussi pour montrer que nous avons certaines capacités. Et par rapport à ça, nous pensons que nous pouvons gagner parce que nous nous sommes bien apprêtés. Merci. Alors, merci. Merci. Merci pour ces ovations. Nous allons continuer en vous présentant les chaleureux membres du jury. Alors, aujourd'hui, pour cette première demi-finale, le jury, nous avons M. Aristophane Tinga Masala, qui est professeur d'art plastique au lycée français et artiste peintre. Bonjour, M. Aristophane. Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, comment ça va? Oh, parfaitement. Et pourquoi cet accompagnement de l'émission Challenge Jeune? Je suis un artiste et dans la rubrique art, je pense que je pourrais me faire valoir en tant que, peut-être pas expert, mais doyen, si on peut dire. Merci, monsieur Aristophane. Merci. Merci. Alors, nous avons également comme deuxième membre du jury, monsieur Fabrice Assa, dont la musique a été interprétée lors de la finale de la première saison Challenge Jeune. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va, Dieu est grand. Alors, l'honneur pour nous aujourd'hui de te recevoir sur le plateau de Challenge Jeune. Qu'est-ce que tu réserves aux enfants aujourd'hui? Ben, nous allons éviter la répétition, comme l'a dit mon collaborateur tout à l'heure. C'est juste que, bon, par expérience musicale, je crois, j'espère pouvoir apporter quelque chose. Voilà, simplement. Merci, merci Fabrice. Merci. Alors, troisième membre du jury. Nous avons monsieur Henri-Michel Auguste, responsable ONG H2O. Bonjour monsieur. Bonjour. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le thème de la rubrique du concours d'art et de la minute sensibilisation, c'est un thème que vous aimez, qui est la protection de l'environnement. Mais cette fois-ci, ce sera la protection de l'environnement scolaire. Quel conseil donnez-vous aux élèves? Ben écoutez, le conseil que je donnerai aux élèves, c'est surtout d'observer, de réfléchir et d'appliquer. Merci beaucoup, merci. Tout de suite, je vais demander aux candidats du concours d'art de rester sur le plateau pour la première rubrique qui est le concours d'art.
merci. Nous nous retrouvons dans la première articulation de cette émission ludique divertissement des jeunes. Dans la première rubrique concours d'art, et devant moi, j'ai l'élève Parfait du collège Delta et l'élève Yves Eteno du collège Charles Wanga. Alors Parfait, bonjour. Bonjour Yves. Alors Parfait, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette rubrique? Tu connais le thème? Le respect de l'environnement scolaire. Alors qu'est-ce que tu nous réserves pour ta représentation tout à l'heure? Je vais faire de mon mieux pour représenter quelque chose en rapport avec le thème qui nous a été soumis. Et disons que j'espère avoir un adversaire à la hauteur, même si je n'ai pas un niveau très élevé, mais je dirais que le meilleur gagne. Merci. Et Yves? Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je vais représenter un dessin qui parle, comment ça s'appelle, du respect de l'environnement avec ses conditions. Et je vais donner tout ce que j'ai pour faire passer mon école. Merci, des ovations pour accompagner nos camarades. Voilà, merci. Et tout de suite, la deuxième rubrique, le concours des incollables. Nous continuons tout de suite avec les incollables. Pour le collège Delta, pardon. J'ai Yuan, Rev et Kumba Lunmila, c'est ça? Voilà, et pour le collège Charles Wanga, j'ai Nathan, Bekonia et Grace. Bonjour. Bonjour, chers candidats. Vous êtes prêts pour le démarrage de cette rubrique incollable? Oui, nous sommes prêts. Ça va? Bien, on y va. Première question des incollables. Quel roman africain a-t-il pour principal personnage Meka? Merci. Nathan, Rêve, les résultats s'il vous plaît. Merci. Alors Rêve, quelle est votre proposition? Notre proposition, nous avons proposé l'aventure ambiguë parce qu'on ne connaît vraiment pas qui a tel. Et pour Nathan? On a proposé Maïmouna, parce qu'on ne connaît vraiment pas lui. La bonne réponse est le vieux nègre et la médaille. Deuxième question. Quelle figure de style consiste, par pudeur ou par égard, à dire moins pour faire entendre beaucoup plus? Quelle figure de style consiste, par pudeur ou par égard, à dire moins pour faire entendre plus? Nathan, merci. Et Rêve. Alors, Nathan, proposition. Comme figure de style, nous avons proposé la litote. Et Rêve. Nous avons proposé le syllogisme. Et la litote sert la bonne réponse pour le collège Charles Wanga. Troisième question. Quelle est l'origine du mot informatique? Première proposition. La contraction du mot information plus automatique. La contraction des mots information plus technologie. La contraction des mots information plus électronique. Proposition, Rêve, merci. Et Nathan, merci. Alors, proposition Delta. Nous avons proposé, nous avons dit qu'en proposition, la deuxième proposition, la contraction des mots information plus technologie. Et Nathan? Nous
La contraction des mots information plus technologie, et ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était la contraction des mots information plus automatique. Nous passons à la quatrième question de cette première série des incollables. Lequel de ces pays affiche la plus grande pénétration d'Internet du monde? Lequel de ces pays affiche la plus grande pénétration d'Internet du monde? La Corée du Nord, les États-Unis ou la Chine? Merci, Nathan. Merci. Pour Nathan, quelle est la réponse? La dernière proposition, c'est-à-dire la Chine. Et pour l'équipe de rêve? La proposition 3 également. La troisième proposition, c'est-à-dire la Chine. Et ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la Corée du Nord. Les chiffres de cette année tirés du rapport de l'ONU sur les nouvelles technologies. Les meilleures pénétrations d'Internet sont tous en Asie et au Moyen-Orient. Ainsi, la République de Corée continue d'afficher la pénétration Internet la plus élevée avec 98,5% des foyers connectés, suivi du Qatar, 98%, et de l'Arabie Saoudite, 94%. C'est en Afrique subsaharienne qu'on voit les niveaux les plus bas d'accès à Internet. Voilà, ceci est une invite également à nos dirigeants pour faciliter davantage l'accès à Internet aux jeunes dans les établissements scolaires. Cinquième et dernière question de la première série des incollables. Qu'est-ce qu'un webmaster? Un webmaster, est-ce un concepteur de site web? Est-ce un patron du web? Est-ce un fan des sites web? Nous savons que nos jeunes passent beaucoup de temps dans les cybercafés et sur leur smartphone. Je pense qu'ils pourraient répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un webmaster? Merci. Merci Nathan. Alors, proposition rêve, s'il te plaît, reste concentré. Nous avons donné la proposition 1. Alors, la première proposition, c'est-à-dire un concepteur de site web. Et pour Charles Wanga, première proposition, c'est-à-dire un concepteur de site web. Et c'est la bonne réponse pour les deux établissements. Un webmaster conçoit, développe et anime un site internet. Alors, c'est terminé pour cette première série des incollables. Je vais me tourner un peu vers nos différents candidats pour demander leurs impressions au terme de cette première série. Je me tourne vers le jury, monsieur Aristophane Tingamasala. Quels sont les résultats de cette première série? Cette première série, en ce qui concerne l'établissement Delta, se retrouve avec un point pour une seule question répondue sur les cinq. Et l'établissement Charles Luanga se retrouve avec deux points pour deux questions, deux bonnes réponses sur les cinq. Alors, donc, le vainqueur de cette première série des incollables, c'est naturellement le collège Charles Luanga. Alors, pour le concours de danse, je vais tout de suite appeler les candidats du collège et lycée Delta pour le premier passage du concours de danse. Merci.
Nous allons tout de suite passer à la deuxième équipe, c'est-à-dire le collège Charles Luanga pour le concours de danse. I don't want
Des équipes dans cette rubrique du concours de danse, nous allons permettre aux différents jurys de donner leurs résultats. Nous commençons par Monsieur Assa. Vos résultats, s'il vous plaît. Pour le collège Melta, j'ai noté donc on va dire 9 sur 10 et Charles Longa 10 sur 10. Je vais m'expliquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, ce ne sont que les résultats de ce concours. Je voudrais m'expliquer. J'ai bien aimé le côté chorégraphique du Collège Delta à cause de la diversité de tenues. Ça faisait un genre, c'est vrai. Mais en matière de généralité, on va dire, quand on prend tous les points là, pour faire une note finale, Charles Luanga remporte par rapport au fait que chorégraphiquement, dans la synchronisation surtout, parce que la symbiose qu'il y a eu entre les pas, pendant qu'ils ont resté, c'est ça qui est le plus important. Ça prouve que derrière cette prestation, il y a eu un travail à l'amont. C'est ça qui est important. Merci. On peut faire les plus beaux pas du monde, mais s'il n'y a pas de synchronisation, ça n'a pas de valeur. Quoi. Voilà. Merci, 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 voilà. Monsieur Assa.
Nous allons prendre les résultats de Monsieur Auguste. Écoutez, pour moi, ça va être un peu plus difficile puisque je ne suis pas de la partie. J'ai essayé d'être le plus juste possible. Alors pour ma part, Delta, même s'il y avait des petits soucis de synchronisation, ce que j'ai bien aimé, c'est le lien entre la tradition et la modernité. Et ça, c'est important. Tout à fait. Car ce sont nos origines. À merci, tous. Tout à fait. Et il est important de les rappeler. Ensuite, concernant Charles Longa, je dirais que l'ensemble était bon. Mais j'ai pas suffisamment trouvé ce petit grain de folie que j'ai trouvé chez Delta. Donc j'ai mis pour Delta 7 points et pour Charles Wanga 6 points. Voilà pour le deuxième membre du jury, M. Auguste. 7 points pour le collège Delta et 6 points pour le collège Charles Wanga. Alors, M. Aristophane. Delta bénéficie ici de 9 points. Delta a perdu à mon niveau 1 point à cause de la synchronisation que je n'ai pas trouvé impeccable. En revanche, Charles Luanga, il n'y a rien à redire, j'ai donné un 10. Donc, en définitive, c'est Charles Luanga qui l'emporte avec 10. Ok. Bien. Merci, monsieur les membres du jury. Donc, pour synthétiser, monsieur Assad donne 10 au collège Charles Luanga et 9 au Delta. Monsieur Auguste donne 7 au collège Delta et 6 au collège Charles Luanga. Et monsieur Tinga Masala donne 9 au collège Delta et 10 au collège Charles Luanga. Merci. Nous passons immédiatement à la deuxième série des incollables. Merci chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour la deuxième série des incollables avec les candidats du collège Charles Wanga et ceux du collège Delta. Alors mes amis, vous êtes de nouveau parmi nous. Nous espérons que cette fois-ci, la prestation sera à la hauteur de nos attentes. Alors, première question de cette deuxième série des incollables. Un avion décolle de Libreville à 15h50, fait escale à Port-Gentil à 18h10 pendant 35 minutes et repart pour Gamba où il arrive à 19h45. Pendant combien de temps l'avion a-t-il volé? Merci, proposition. Alors, proposition Collège Delta. Nous avons trouvé 4h50 minutes de temps qu'il a fait. Et Charles Wanga. Nous, nous avons proposé 3h40 minutes. Alors, ce n'est pas la bonne réponse pour les deux équipes. La bonne réponse est de 3h20 minutes. Parce que pour l'énoncé de ce problème, Libreville-Port-Gentil, ça fait 2h20 minutes. 2h20 minutes. 18h10 plus 35 minutes de pause égale 18h45. Qui correspond à l'heure de décollage. Donc, Port-Gentil, Gamba, ça fait 18h45, 19h45, ça fait une heure. Ok? Libreville, Port, plus Gamba, l'avion a donc volé 2h20 plus une heure, ce qui fait 3h20 minutes. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Voilà, merci. Deuxième question, deuxième série des incollables. Par quel nombre peut-on diviser 2016 pour obtenir 672?
divisé 2016 pour obtenir 672. Proposition Charles Wanga, Collège Delta. Alors, Charles Wanga, nous avons proposé 3. Et Delta 3. Et c'est la bonne réponse pour les deux établissements. Nous passons à la troisième question de la deuxième série des incollables. Calculez l'équation suivante. 12x moins 5 égale à 10x plus 25. Quelle est la valeur de x? 12x moins 5 égale à 10x plus 25. Merci pour Delta et Charles Wanga. Collège Delta. Nous avons trouvé x égale à 15. Et Charles Wanga. Même réponse, x égale à 15. C'est la bonne réponse pour les deux équipes. Quatrième question, deuxième série des incollables. Un véhicule parcourt une distance de 105 km en 1h15. Quelle est sa vitesse horaire? Un véhicule parcourt une distance de 105 km en 1h15. Quelle est sa vitesse horaire? Chrono. Bien, les propositions. Charles Wanga, Collège Delta, merci. Merci. Alors, proposition Charles Wanga, s'il vous plaît. On a proposé 90 km/h. 90 km/h et Collège Delta. Nous avons proposé 3000 mètres secondes par heure. Par seconde, on peut convertir aussi en heure. Alors, la proposition du collège Charles Wanga de 90 km/h et du collège Delta est de 3000 mètres par seconde. Alors, la bonne réponse est de 84 km par heure. 84 km par heure. Ce n'est pas la bonne réponse pour les deux équipes. Cinquième question, deuxième série des incollables. A est égal à racine carrée de 49 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 121. Quelle est la valeur de A? Merci. Quelle est la valeur de 1 pour le collège Delta d'abord, pardon? La valeur de 1 pour le collège Delta est 231. Et pour Charles Wanga? On n'a pas eu le temps de terminer. Vous n'avez pas eu le temps de terminer. Alors, la racine carrée de 49 fait 7, la racine carrée de 9 fait 3 et la racine carrée de 121 fait 11. Donc ça fait 7 fois 3 fois 11 qui font 231 et c'est la bonne réponse pour le collège Delta. Voilà,
Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième série des incollables. Alors, Monsieur Auguste, pouvons-nous avoir les résultats de cette deuxième série incollable, s'il vous plaît? Pour ma part, Delta, 3 points. Charles Wanga, 2 points. Merci. Nous passons tout de suite à une autre articulation de cette émission ludique de jeux et divertissement, les épreuves sportives. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, nous sommes de retour sur le plateau de Challenge Jeune pour la rubrique des épreuves sportives. Alors, cette rubrique aujourd'hui aura deux épreuves. La première, c'est le jet de balle et la deuxième, la course du sac. Nous allons commencer immédiatement avec le jet de balle et notre candidat, c'est l'élève du collège Charles Wanga, d'accord, qui va s'accorder avec son camarade pour jeter le maximum de balles dans ce panier en 1 minute 30 secondes. Donc, chers amis, vous allez encourager vos camarades pour qu'ils jettent le maximum de boules dans le panier. Top chrono, 1 minute 30 secondes. Déjà 56 secondes, 1 minute, 25 secondes. Merci. Merci. Nous allons compter, chers membres du jury. Vous comptez avec moi, chers amis? Six balles pour le candidat du collège Charles Wanga. Et nous allons immédiatement recevoir les candidats du collège Delta pour les épreuves sportives. Top chrono, c'est parti. Touchez pas les boules. Une minute.
secondes. C'est bon, c'est terminé pour cette épreuve des épreuves sportives avec le candidat du Collège Delta. Et nous allons faire le décompte ensemble, s'il vous plaît. Trois balles pour le candidat du Collège Delta. Bien, merci. Nous passons à cette deuxième articulation des épreuves sportives avec cette fois-ci la course du sac. À zéro, on démarre. Chers amis, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les. Est-ce qu'il y a un avantage pour l'instant? Nous voyons bien que les candidats se battent dur comme des soldats pour passer le relais. Nous avons un petit avantage du collège d'Alouanga. Par contre, attention s'il vous plaît, nous avons une arrivée simultanée pour les deux candidats. Je pense que nous avons une arrivée simultanée pour les deux candidats. Quel sera le résultat? Monsieur les membres du jury, est-ce que nous pouvons départager les candidats, s'il vous plaît? Ou nous faisons un deuxième tour, un deuxième passage? Un deuxième passage, ok. Un deuxième passage pour départager les candidats. Ils vont démarrer. 5, 4, 3, 2, 1... Zéro, c'est parti. On touche la main. Attention, attention au relais. Doucement. Attention au relais. On touche la main. On revient doucement. Attention au relais, s'il vous plaît. On y va. Nous avons un léger avantage du collège Delta. Voilà, cette fois-ci, je pense que le compte est fait pour tout le monde. Nous sommes d'accord que le collège Delta remporte cette épreuve course dans le sac. Monsieur les membres du jury, quelle est votre appréciation? Nous allons prendre un jury, s'il vous plaît. Monsieur Tinga, s'il vous plaît, votre appréciation pour cette épreuve sportive. Mais dans tous les cas, Delta a remporté. C'est vrai que j'ai pas encore fait le point du résultat chez moi. Merci, monsieur Tinga. Nous allons immédiatement passer à une autre articulation de cette émission qui est la minute sensibilisation. Le thème retenu aujourd'hui dans le cadre de cette première demi-finale ici à la place de la Concorde, est la protection de l'environnement scolaire. Nous allons immédiatement appeler Lorraine pour le collège Delta et Nathan pour le collège Charles Luanga. Bien, nous reprenons avec Lorraine pour le collège Delta et Nathan pour le collège Charles Luanga. Alors, Lorraine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et Nathan, nous savons déjà que tu es dans l'équipe des Incollables pour ton collège. Oui, oui. Alors ça va? Oui, oui, ça va. Ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, oui, ça se passe très bien. Alors, que pouvez-vous nous dire de l'environnement scolaire, du respect de l'environnement scolaire? Lorraine. Bonjour, chers camarades. Pour parler du respect de l'environnement scolaire, on va d'abord commencer à parler de la tenue que nous portons. Parce que la tenue que nous portons représente notre établissement et nous sommes censés la respecter, pardon. Et ensuite, le respect de l'établissement même.
les enceintes de l'établissement, des murs et des tableaux. Nous ne devons pas faire des graffitis sur les murs et sur les tableaux. Nous sommes censés les respecter, c'est parce que c'est derrière ces tableaux que les profs déposent leur savoir pour nous les transmettre. Donc nous sommes censés les respecter. Et aussi, le respect de l'environnement scolaire passe aussi par le respect envers nos professeurs qui sont là pour nous transmettre leur savoir pour que nous puissions devenir des personnes responsables demain. Et donc, je dirais qu'il faut respecter son environnement scolaire. C'est parce que c'est l'école qui transmet le savoir, qui transmet l'éducation, qui transmet plusieurs valeurs comme le respect des uns et des autres. Merci. 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 Alors, pour Lorraine, le respect de l'environnement scolaire passe premièrement par le respect de la tenue scolaire que nous portons, qui représente notre établissement. D'accord ? Donc, un élève qui respecte son environnement scolaire, c'est un élève qui est déjà assez responsable de par sa tenue. Ça, c'est le message que Lorraine nous porte ce matin. Oui. Et pour Nathan, que penses-tu de ce thème, le respect de l'environnement scolaire ? Avance, s'il te plaît. Voilà. Alors, bonjour, chers camarades. Déjà, pour parler du respect de l'environnement scolaire, nous allons commencer par parler de la définition. Alors, l'environnement scolaire, c'est le cadre d'apprentissage de tous les élèves. Alors, déjà, quand on parle de respect, on parle forcément de l'environnement. Donc, ne pas laisser les déchets traîner par terre, nettoyer les salles de classe après chaque cours. Et comme notre établissement est le reflet des élèves et des professeurs, nous-mêmes, en tant qu'élèves, nous devons être disciplinés. Donc, comme elle a dit, dans notre tenue, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de parler à nos professeurs, etc. Et comme l'établissement ne peut pas devenir propre toute seule, nous-mêmes, nous devons être, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Déjà, nous devons lutter contre les stupéfiants, alcool, drogue, etc. Et surtout, ne pas souiller notre salle de classe parce qu'elle est à notre image. Merci. Alors, des ovations pour Nathan. Alors, pour Nathan, le respect de l'environnement scolaire passe par le respect de son environnement, l'environnement dans lequel nous évoluons tous les jours, d'accord ? Il ne faut déjà pas jeter nos déchets n'importe où dans le lycée, parce qu'il y a des points bien précis pour les déchets et pouvoir nettoyer les classes aux sorties des cours. N'est-ce pas, Nathan ? Oui, c'est ça. Merci. Alors, pour nous édifier davantage ce matin, nous avons M. Henri-Michel Auguste, qui est responsable de l'ONG H2O, qui est parmi nous pour apporter un complément d'information pour nous et pour les élèves, pour les téléspectateurs à la maison. Alors, bonjour encore M. Auguste. Bonjour. Alors, pour nous, nous savons que vous menez déjà beaucoup d'actions au sein de la commune pour le respect de l'environnement, pour sensibiliser. Alors, vous avez devant vous des élèves, d'accord, et certains que vous venez d'écouter. Que pouvez-vous leur apporter comme complément d'information ? Écoutez, d'abord, je vais d'abord les remercier à tous les deux pour leur réponse, car elle est très intéressante. Ce qui est important, c'est surtout de travailler dans un lieu propre, car la propreté, d'une part, nous permet de nous protéger des maladies, et ça, c'est l'un des essentiels, car si on est malade, on ne peut pas aller étudier, et si la propreté n'est pas dans notre établissement, malheureusement, il ne nous donne pas l'envie réellement d'étudier. Donc il est important de bien faire attention à ne pas jeter les déchets par terre, de les amener jusqu'à une poubelle. Je sais, parfois ça peut être long. Ouais. La poubelle peut être distante, mais prenons ce temps-là. Ensuite, après, il y a toute la partie, je vais dire, sanitaire. Des sanitaires propres, des lavabos propres, du papier WC qui ne traîne pas partout, donne plus envie d'aller dans cet établissement comme d'aller dans les toilettes. Sinon, eh bien, on se retient et malheureusement, on est mal à l'aise pendant toute la séance des cours. Donc, vous voyez bien qu'il est important de faire attention à notre environnement général. Vous avez dit les professeurs, le respect des professeurs, votre tenue propre, oui. Mais il y a aussi le lieu où c'est que vous êtes. Et ça, c'est l'un des points importants. Merci, Monsieur Auguste. Alors, une question. Nous savons que vous êtes un spécialiste de la question environnementale. Alors, vous connaissez un peu l'environnement de nos lycées et collèges dans la commune, d'accord ? Quels conseils pouvez-vous apporter aux chefs d'établissement pour sensibiliser davantage leurs élèves, leurs jeunes élèves, d'accord ?
à cette notion qui aujourd'hui prend tout son sens dans la protection de l'environnement avec le réchauffement climatique bat son plein. La fonte glaciaire également ne fait qu'évoluer, d'accord ? Quel conseil pouvez-vous donner pour que déjà, nous qui sommes à Port-Gentil, une presqu'île, les élèves, les chefs d'établissement, les responsables de l'éducation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour davantage sensibiliser la jeunesse sur ces mots ? Bah écoutez, déjà d'une part, dans votre question, vous nous donnez déjà la réponse. Le premier point, c'est la sensibilisation. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que les chefs d'établissement, les deux écoles, pourraient faire appel à des ONG comme la nôtre, ou d'autres, H2O Gabon, voire d'autres, pour justement sensibiliser les écoles classe par classe. Vous avez parlé de réchauffement climatique, d'érosion, d'inondation. Tout cela, malheureusement, vous les jeunes, vous allez avoir à le gérer. Plus que moi qui suis déjà bien plus vieux que vous. Et cette gestion de ce climat qui va changer, et qui change déjà, et qui est en train de changer, va nous apporter des problématiques assez importantes. D'une part, la montée des eaux, ce qui veut dire qu'il y a risque de submersion de Port-Gentil, notre belle île, Manchi. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est l'un des points essentiels. Qu'est-ce qu'on va proposer à Port-Gentil pour le futur ? Grande question. Vos aînés, pour l'instant, n'y ont pas encore répondu. Et je pense que c'est malheureusement à vous, c'est vous qui serez amenés à apporter les réponses et à mettre en place les solutions. Malheureusement, j'aurais souhaité pour ma part que ces décisions soient prises actuellement, car plus nous perdons de temps, plus il sera difficile de prendre des décisions valables et utiles pour toute la population. Merci, merci. Des ovations pour M. Auguste, Nathan et Lorraine, s'il vous plaît. Nous pensons que le message est passé et nous verrons dans les jours à venir. Merci, monsieur. Oui, merci. Merci. Alors, merci, chers amis, merci, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons pour la troisième série des Incollables. Alors, les candidats sont de nouveau parmi nous pour cette dernière série des Incollables. Alors, il est temps pour vous de rattraper le tir et de glaner le maximum de points. Première question, troisième série d'Incollables. Qu'est-ce qu'un talapoint ? Est-ce un singe, un serpent ou un poisson ? Qu'est-ce qu'un talapoint ? Qu'est-ce qu'un talapoint ? Question de culture générale. Qu'est-ce qu'un talapoint ? Est-ce un singe, un serpent ou un poisson ? Alors, proposition au Collège Delta. Alors, Collège Delta. Nous avons donné comme proposition la troisième. La troisième proposition, c'est-à-dire un poisson. Et Charles Wanga. Nous avons donné la proposition 1. Première proposition, un singe. Et c'est la bonne réponse pour le Collège Charles Wanga. Un talapoint est un petit singe vivant dans la mangrove gabonaise. Son nom scientifique est Myopithecus ouiguensis, rappelant les bords du fleuve qu'il affectionne. Deuxième question. Combien de pays africains commencent par la lettre Z ? Lesquels ? Alors, proposition Charles Wanga, Collège Delta. Alors, Charles Wanga. Nous avons proposé deux, le Zimbabwe et le Zaïre. Proposition Collège Delta. Nous avons proposé deux pays, le Zimbabwe et la Zambie.
Je ne vois pas écrit Zimbabwe et Zambie sur votre fiche. J'ai dit lesquels? Combien de pays africains commencent par la lettre Z? Lesquels? Et ça, je l'ai dit deux fois. Lesquels? Alors, monsieur les membres du jury, le Collège Delta nous donne deux pays. C'est la bonne réponse, deux pays. Ce qui est écrit. Et mais sur leur fiche, on n'a pas les pays. Donc, à vous de juger. Le collège Charles Luanga nous propose le Zimbabwe, ce qui est juste. Et la Zambie, ce qu'ils n'ont pas écrit. Ils ont le Zimbabwe et le Zaïre. Les bonnes réponses sont deux pays, à savoir le Zimbabwe et la Zambie. Donc, ici, nous avons un petit élément de réponse. Et là, également, nous avons un autre élément de réponse. À vous de vous concerter et de voir quels sont les points que vous pourriez accorder à ces différents candidats. Troisième question. Suivez bien. Quel pays a pour capitale Bujumbura? Quel pays africain a pour capitale Bujumbura? Proposition. La Gambie, le Burundi et la Tanzanie. La Gambie, le Burundi ou la Tanzanie. Proposition Charles Wanga. Alors, Charles Wanga. Proposition 2, le Burundi. Le Burundi et Collège Delta. Deuxième proposition également, le Burundi. Ok, le Burundi. Alors, je souhaiterais qu'à l'avenir, vous puissiez écrire les réponses et non les numéros de proposition. Ok, voilà. Alors, le Burundi, c'est la bonne réponse pour les deux équipes. Quatrième question, troisième série des incollables. Parmi ces produits, un seul est recyclable. Lequel? Parmi ces produits, un seul est recyclable. Lequel? La fibre de verre, le jeu de cartes, un sac de pommes de terre. La fibre de verre, le jeu de cartes, un sac de pommes de terre. Merci Delta. Deux verres pour le collège Delta et pour Charles Wanga. Nous aussi nous proposons la fibre de verre. Et ce n'est pas la bonne réponse pour les deux établissements. Le jeu de cartes qui est le seul produit recyclable parmi ces différentes propositions. Cinquième question. Que peut-on fabriquer lorsque l'on recycle des canettes en acier? Que peut-on fabriquer lorsque l'on recycle des canettes en acier? Trois propositions de réponse. Des chariots de supermarché, des barquettes en aluminium, des mandrins. Des chariots de supermarché, des barquettes en aluminium, des mandrins. Question de culture générale. Réponse Charles Wanga. Merci. Alors, Charles Wanga. Proposition 2, des barquettes en aluminium. Des barquettes en aluminium. Et Collège Delta. Proposition 3,
proposition une, les chariots de supermarché. Les chariots de supermarché, c'est la bonne réponse pour le Collège Delta. Nous sommes arrivés au terme de cette troisième série des incollables. Pouvons-nous avoir les résultats de cette troisième série, s'il vous plaît? Le Collège Delta et Charles Longa sont en égalité, 3 partout. 3 points partout. Égalité parfaite pour cette troisième série des incollables. Et je vais m'adresser aux différents candidats. Alors, nous avions du côté du collège Charles Luanga, Nathan, Béconia et Grâce. Alors, Béconia, comment as-tu trouvé cette épreuve? C'était assez bien, parce qu'on s'est retenus après quelques petits avions. D'accord, Béconia, Grâce, pardon. Moi, ça s'est bien passé. Et mon ami Nathan, ça s'est très bien passé. On peut dire que c'est une épine qui retient du pied parce qu'on est égalité. Et puis voilà, on a été content de participer. Merci, merci Nathan. Alors du côté du collège Delta, nous avions Yuan, Ludmila et Rêve. Yuan, alors quel est ton avis? Je vois que tout s'est bien passé et qu'on a mérité le nombre de points qu'on voulait. Bien. Et Ludmila, s'il te plaît. Dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé, mais malheureusement, on n'a pas eu les réponses à toutes les questions, mais bon, ça va aller. Et Rêve, finalement, De ces séries d'incollables, on en ressort avec beaucoup de satisfaction, parce que n'ayant pas obtenu le nombre de points que nous aurions voulu, toutefois, nous avons eu beaucoup de connaissances, notre vocabulaire a été enrichi, et nous repartons de là remplis. Merci. Merci. Alors, le but également, c'est justement de tester vos connaissances et de vous enrichir davantage. Merci. Nous sommes arrivés au terme de la troisième série des incollables. Et nous passons immédiatement à une autre articulation de cette émission de divertissement ludique dénommée Challenge Jeune. Cette articulation, c'est le karaoké. Et nous nous retrouvons sur le plateau Challenge Jeune avec les candidats du collège Delta pour la première partie du concours karaoké, qui sera fait sur un titre, l'artiste Arnaud Eyaga. Le titre se nomme A Bia Bia. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Mouli kouli mao, amao, kozonona mayo amao, oh, tigiza mao, ayo, 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 bele bele mwane bonye yo kao, mwane bonye mwane yo ama. Mais un amaye le bonbon à bia bia. A 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 Ya you, Hey!
Zwa. Bia, bia, bia. Bia, bia, bia. Oh, et l'ingré, je mets, je mets, je mets l'eau. Oh, oh, oh. Et l'ingré, je mets, je mets, je mets l'eau. Bia, bia, bia. Bia, bia, bia. Et l'ingré, je mets, je mets, je mets l'eau. Pour vos camarades, s'il vous plaît. Nous venons de voir la prestation des élèves du Collège Delta et je sais que vous également à la maison, chers téléspectateurs, vous allez vous faire un avis après le passage des élèves du Collège Charles Luanga pour ce concours karaoké. Thank you.
Merci pour cette prestation des élèves du collège Charles Wanga. Je vais de ce pas me tourner vers les membres du jury pour les différents avis. Alors, Monsieur Tinga, votre notation s'il vous plaît. Le lycée Charles Wanga, pour moi, a dominé le Delta. Le lycée Charles Wanga a 9 sur 10. Cependant, le collège Delta a 5 sur 10. Merci, merci Monsieur Tinga Masala. Monsieur Michel Auguste, s'il vous plaît, votre notation. Écoutez, moi, pour être fidèle à mon habitude, je mettrai aux deux collèges 9 points. Alain, 9 points à l'autre. Alors, ça et c'est. Je laisse le choix à notre artiste de service. Voilà, monsieur Auguste Michel reste neutre sur sa notation. Monsieur Assa, s'il vous plaît. Bien. Alors, moi, j'ai été bluffé par l'introduction de Collège Delta. Vous savez, puisque la rubrique, c'est le karaoké. Et. La principale valeur que nous recherchons là, c'est la valeur vocale, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, alors sur ce, l'introduction du Collège Delta en matière de voix, alors là, était extraordinaire. Maintenant, il y a eu un paradoxe, c'est quand la musique est rentrée, il y a eu ce qu'on appelle techniquement chez les artistes un contre-temps, c'est-à-dire la symbiose qui entre la vitesse de la musique et les voix. Tout à fait. Mais en matière de voix, alors là, le Collège Delta... Chapeau. Maintenant, ce qui va faire en sorte que... Des ovations pour vos candidats, pour vos camarades, s'il vous plaît, pour les Delta. Nous avons là la vidéo spéciale. Voilà, voilà, c'est le karaoké. Le karaoké, la valeur principale, c'est la voix. Donc, désolé, c'est ça qu'il faut que je dise. Alors, maintenant, pour Luanga, comme disait mon collaborateur tout à l'heure, la prestation a été très intéressante. Parce que là, il y a eu ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que techniquement, en ce qui concerne les voix, ce n'était pas trop ça. Mais ils sont rattrapés sur d'autres critères. Mais puisque, j'insiste, puisqu'on parle de karaoké, ce sont les voix qu'on met en valeur. Donc sur ce, moi, je donne à Delta 9 et à Luanga 7. Voilà. Merci, merci. Ici, nous avons l'avis d'un spécialiste du chant. À l'honneur de Monsieur Fabrice Assa, qui nous a fait l'honneur à nous, l'équipe Challenge, d'être là aujourd'hui pour donner son avis et davantage édifier la jeunesse sur les questions de chant. Nous allons immédiatement passer à une autre articulation de cette demi-finale, celle qui permet aux élèves de s'exprimer artistiquement en essayant de faire une représentation sur le thème du jour qui est la protection de l'environnement scolaire, à savoir le concours d'art. Première demi-finale opposant le collège Delta au collège Charles Luanga. Nous avons ici l'élève Eteno Yves du collège Charles Luanga. Bonjour Yves, comment ça va ce matin? Alors, qu'est-ce que tu nous as représenté sur le thème de la protection de l'environnement scolaire? Voilà. J'ai représenté des immeubles avec, comment ça s'appelle, des usines de pétrole qui jettent des gaz carboniques dans l'air, ce qui fait que ça pollue les gaz et ça donne
ça donne des maladies aux paysans et aux consorts. Ici, on voit des bateaux qui... On voit des bateaux qui transportent du pétrole et qui les jettent dans l'océan, et des déchets, et ça donne des maladies parce que l'eau que nous buvons doit être potable. Si on ne boit pas de l'eau potable, nous pouvons attraper plusieurs maladies. Ici, j'ai fait un dessin d'un petit garçon qui est inconscient. Il vient pisser dans une rivière et ça apporte aussi des maladies. Donc, pour éviter tout ça, nous devons respecter notre environnement en ne pas faisant cela. Nous devons jeter les ordures dans la poubelle, ne pas pisser n'importe où et se respecter pour que nous vivions en bonne santé. Merci, merci Yves. Des ovations pour nous, s'il vous plaît. Alors, parfait. Oui. Peux-tu nous présenter ta représentation, s'il vous plaît? Comme le dit notre thème, qu'on a été soumis aujourd'hui, le respect de l'environnement au milieu scolaire. Donc, je vais représenter deux élèves du Collège Delta. Donc, l'un a le souci de jeter les détritus après consommation du produit de la pub ou d'un produit quelconque à l'intérieur d'une poubelle qui est bien sûr passée là pour cette utilisation. Il y a un autre devant qui, lui, préfère jeter ça à terre n'importe où, n'importe comment, juste comme ça. Ce qui souvent produit une coupe trop sale. C'est souvent à cause de ce genre de comportement-là que tu peux marcher dans la cour de l'école et il y a des détritus partout. Ce qui, bien sûr, n'est pas très bon. Il y a ainsi que lui a le souci de garder son école propre. On préfère jeter les déchets, les déchets qu'il produit à la poubelle afin de maintenir sa cour correctement propre. Donc, comme disait le respect de l'environnement au milieu scolaire, l'exemple de celui qui jette ses détritus à la poubelle permet de montrer aux autres que notre environnement scolaire est important pour nous tous. Parce que c'est cet environnement-là que nous recevons des informations tous les jours. Nous apprenons de nouvelles choses tous les jours. Il faudra le garder correctement propre. Je crois que c'est ça. Merci. Merci, parfait. Nous allons maintenant demander l'avis du spécialiste, monsieur Tinga Masala, qui est professeur d'art plastique et artiste peintre. Quel commentaire peux-tu faire au sujet de ces deux représentations? À voir le résultat des travaux, on a l'impression que c'est le même artiste qui a peint, mais comme ils étaient quand même concurrents, je voudrais dire que celui qui représente le Collège Delta était beaucoup plus explicite, contrairement à l'autre qui n'a pas démérité, mais qui est beaucoup plus, qui a abordé le problème plus globalement et n'a pas tenu compte de l'environnement scolaire dont il était question. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Merci. Pouvons-nous avoir votre notation, s'il vous plaît? Le Delta a 8 points et Charles Luanga a 6 points. Merci. Merci. Monsieur Auguste, votre notation, s'il vous plaît. Je serai, comme à mon habituel, pour l'inégalité. 9-9. Monsieur Auguste conserve sa parfaite neutralité au sujet des représentations. Et monsieur Assa. Ben, je disais que j'ai donné 6 partout. Donc voilà, c'est le moins que je puisse faire. Merci, merci monsieur Assa. Merci. Bien, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons sur le plateau de Challenger avec les différentes équipes et les responsables qui accompagnent ces élèves-là. Nous avons à ma droite M. Évariste Fausson qui est le responsable du collège Delta et à ma gauche M. Nikes, tonton Nikes affectueusement appelé, qui est le responsable du collège Charles Luanga. Alors, M. Fausson. Comment ça s'est passé ce matin? Bon, dans l'ensemble, je suis très satisfait. Mes éléments, comme j'aime bien le dire, m'ont gratifié dans l'ensemble d'un très beau spectacle. Et c'est vrai que je note un déficit en culture générale. C'est un peu de regret. Bon, nous attendons ce que dira le jury. Ok, et comment vous vous êtes préparé au terme de ces trois longues semaines pour cette rencontre, les élèves et vous? Je crois que les élèves du collège et lycée d'État ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
grâce, je l'ai dit toujours, au dynamisme de la coopérative, et il y a eu un travail de préparation. Mais j'avoue également que ce n'était pas à tous les niveaux, il y a eu quelques difficultés. Bon, on a pu le remarquer sur la scène avec cette rubrique. Nous attendons. Merci, merci Monsieur Fosson. Je me tourne de suite vers Monsieur Tonton Niguez. Comment s'est fait de la préparation et quel est ton avis au sujet de la prestation de tes enfants ce matin? Bien, merci que de me donner la parole. À ce qu'il s'agit de la participation elle-même, les enfants n'ont pas démérité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Comme disait le collègue Monsieur Fosson, malheureusement, au niveau de la culture générale, elle laisse à désirer. Mais il faut avouer aussi que les questions étaient un peu plus au niveau, un degré un peu plus élevé par rapport au niveau des élèves. Mais les enfants se sont donnés à fond, que ce soit du côté de Chalonga ou du côté de Delta. Nous attendons les résultats. Merci pour vos différents avis. Je me tourne vers le jury pour avoir les résultats. Nous sommes arrivés au terme de cette première demi-finale de la saison 2 de Challenge Jeune. Alors, M. Tinga Masala, quel est votre avis au sujet de la prestation globale des élèves ce matin? Il faut dire que c'est des bonnes guerres. Les deux équipes ne l'ont pas démérité. Mais comme c'est un concours, c'est un affrontement, il y a toujours un gagnant et un perdant. Dans tous les cas, que ceux qui n'auraient pas eu la victoire ce soir, qu'ils fassent mieux pour la prochaine édition, que j'espère la prochaine année scolaire. Merci, merci Monsieur Aristophane Tinga. Alors, Monsieur Assa, est-ce qu'au niveau des prestations de nos enfants ce matin, nous avons la relève artistique qui se prépare? Oui, la relève, elle est là, elle a toujours été et elle demeure. Bon, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que ce qu'il faut retenir ici, c'est beaucoup plus l'acquisition des connaissances. Tout à fait. Hein? C'est pas forcément une guerre, mais on vient ici pour apprendre. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut beaucoup retenir, en fait. C'est ce que je voudrais dire à tous les élèves ici. Merci, simplement. Merci, et Monsieur Auguste. Votre première rencontre avec l'équipe Challenge Jeune et ses enfants sur ce plateau. Votre avis et résultat final, s'il vous plaît. Écoutez, je suis heureux d'avoir participé à cette émission de Challenge One. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Et ça me fait mal au cœur. Mais il faut toujours un vainqueur. Et donc, je vais donner les résultats. D'abord, je vais donner les résultats par note de chaque établissement. Et après, je déclarerai le vainqueur. Merci. Collège Delta. Moyenne totale. 13,57. Collège Charles Liwanga, 13,58. L'équipe gagnante est le collège Charles Liwanga. S'il vous plaît. Le challenge n'a pas été facile et les perdants n'ont pas démérité puisqu'ils perdent avec 0,1 point. 0,1 point, c'est dû que le challenge a été très serré. C'était au coude à coude jusqu'à la dernière minute. Alors aujourd'hui pour cette première demi-finale, celui qui affrontera le gagnant de la deuxième demi-finale qui se déroulera la semaine prochaine, ce sera le collège Charles Luanga. Merci. Avant de terminer, je vais avoir l'avis de Rêve. Alors Rêve, vous n'avez pas démérité. Vous perdez seulement de 0,1 point. Cette défaite, je n'appellerai pas défaite. Parce qu'au sortir de là, même si nous n'allons pas en finale, nous avons gagné. Parce que nous perdons, que nous gagnons, nous avons déjà gagné. Et ça ne change pas le fait que nous sommes des vainqueurs. Applaudissez pour la positive attitude de le Rêve, s'il vous plaît. Rêve, pour l'avoir rencontré déjà lors des tournages au collège Delta, je sais que c'est une élève très positive.
bravo et essaye de continuer comme ça, continuer de cette façon, d'accord? Peut-être pour l'année prochaine, nous aurons des résultats plus probants. Oh. Merci et bonne chance pour vos examens scolaires. Merci. Alors Nathan, que peux-tu dire au terme de cette demi-finale? Donc, comme on l'a dit, le collège Delta n'a pas démérité. Seulement, j'aimerais m'adresser à mes camarades de Charles Wanga. C'est qu'il ne faut pas juste retenir la victoire, mais par contre, toutes les connaissances qu'on a acquises durant l'émission. Alors, je suis très content d'avoir réussi avec mon équipe et le prochain objectif, c'est la finale. Merci, la finale qui se tiendra le 14 mai du côté de la foire municipale. Nous sommes arrivés au terme de cette première demi-finale et rendez-vous pour la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale qui va opposer le lycée technique au collège Raponda Walker. Merci.